Mais vous voyez bien que je suis en reconstruction. Nous sommes en reconstruction. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les excuses comme reconstruction. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va grandir. Arrêter de prendre les excuses. À nous vraiment de prendre nos coups et de pouvoir vraiment de devenir le Cameroun qu'on a été toujours. Et bon, c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition qui se joue sur tous les plans. Sur le plan technique, tactique, mais plus mental. Donc aujourd'hui, j'ai une jeunesse qui découvre pour certains et je pense qu'aujourd'hui, ça joue. On a fait face à une équipe qui joue depuis, pareil pour les autres. J'ai la plus jeune équipe aujourd'hui en compétition et il y a des joueurs qui découvrent. C'est nous qui leur donnons à l'adversaire des possibilités de nous mettre en difficulté. Bon, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, je suis en reconstruction. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les excuses comme reconstruction. À nous vraiment de prendre nos coups et de pouvoir vraiment de devenir le Cameroun qu'on a été. On vous dit que être Camerounais, c'est un métier. Et être Camerounais, c'est déjà un travail. Oh, j'avais loupé l'autre aussi. Je viens de tomber sur ça. Il dit que non. Mes femmes, je dois quand même partager ça avec vous. Ce qui me fait rire dans cette vidéo, c'est qu'on voit notre sélectionneur manager Rigobertson qui nous a fait comprendre qu'il n'a jamais été coach, donc il n'a jamais été l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc il n'est que sélectionneur manager. Ce qui veut dire que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas d'entraîneur. On le voit en train de nous faire comprendre que. Non, que on sait qu'il est en construction, donc il est encore en train de construire l'équipe nationale. C'est pourquoi il est allé en compétition avec les jeunes, dont il avait la plus jeune équipe en Coupe d'Afrique. Et son jeune Toro est sorti la dernière. Il a dit arrêtez de prendre je suis en construction comme excuse. Il dit que Toro dit que coach, tu manques. Arrête de prendre, je suis en construction comme excuse. Tu manques. Mais, allez, Mamadou Diallo est conscient que non, son sélectionneur manager a laissé les vrais joueurs à la maison pour aller en compétition avec les bébés au lait, avec les danseurs de gay, avec les danseurs de mollet, comme où c'est Wilfried Douala, où c'est qui là. Non, le sélectionneur manager dit que je suis en construction. Le joueur vient dire que tu manques. Arrête de prendre je suis en construction comme excuse. Hein? Nous devons prendre nos couilles en main et devenir le Cameroun que nous étions avant. Alors, voilà un vrai joueur. Et je vous rassure que comme Toro a contredit ce que Rigobertson a dit, il ne sera plus jamais sélectionné dans l'équipe des Lions Indomptables. Oui, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Comme Toro a contredit, il a dit la vérité. Il a dit arrêtez de prendre pour excuse, nous sommes en construction. Non, ça ne veut rien dire. On a fait un mauvais choix et c'est tout. Voilà, Toro a dit la vérité et c'est comme ça. Et je vous rassure qu'il ne sera plus jamais sélectionné dans l'équipe nationale. Tant que Rigobertson est là avec Samuel Eto'o, Toro ne sera plus jamais sélectionné. Parce que vous savez, chez nous, hein, c'est-à-dire Rigobertson, il s'est gardé rancune. Samuel Eto'o s'est gardé rancune. Donc les deux là, Toro, mon frère, prie ton bon Dieu que ton club puisse reconnaître ta valeur. Parce que l'équipe nationale du Cameroun là, ils ne vont jamais reconnaître ta valeur. Hein. Oh, c'est comme ça chez nous. Partagez la vidéo, Massimo, c'était votre humble serviteur. Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaissez, connaissez. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolé, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau.
la persévérance. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlay, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le taro, c'était bon jusqu'à...